Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me traites comme un chien en ce moment? Je cherche une personne digne de confiance et non un simple copain. Tu cherches quoi, une image de père, c'est ça? Tire pas les cheveux de ta sœur! Sonny Colfax avait un job facile. Les employés au père. Vous allez où? À la table. Vous voulez m'emmener avec vous? Si vous voulez. Il menait une existence simple. Le livreur est ton meilleur ami. On revient plus tard dans la soirée, on fera de la littérature. D'accord, puis c'est là. Jusqu'au jour... Tu refuses de franchir une nouvelle étape de ta vie. Elle veut que tu évalues, c'est tout. Ou sa petite amie le quitta pour un autre. J'ai rencontré quelqu'un. Ce vieillard? Lui, au moins, il a un plan quinquennal. Son plan, c'est quoi? On meurt pas? Alors, pour la reconquérir... Maintenant, il faut que je passe à une nouvelle étape. Il lui fit une petite surprise. J'aimerais te présenter Julien, mon fils. Notre fils, je l'ai adopté. Génial. On fait quoi? Maintenant, ce que découvre Sonny... Tu ne mets pas de couche? Non. C'est que lorsqu'on adopte un enfant... Mais qui est-ce qui te confierait un enfant? Il faut le garder. J'ai aucun don pour être père, j'ai fait une énorme erreur. Un gosse qui n'arrête pas de pisser, de rire, on dirait un cocker mal élevé. Columbia Pictures vous présente... C'est une veilleuse. Une veilleuse? Je vais t'arranger ça. Là, là. Le père le moins préparé. Retourne-lui dedans. J'ai fait pipi au lit. Voilà. Et là, j'ai... Plus mouillé, et le plus inattendu que vous rencontrerez. Portez des t-shirts de la même taille tous les deux. Oh. Regarde ça. Ce gosse, je crois que je vais le garder. Adam Sandler. Il met le doigt dans ton nez. Oui, il s'est mis le doigt dans son nez toute la journée, alors j'ai décidé de lui taper le mien. Big Daddy. C'est un tout nouveau système d'éducation que j'ai mis au point. Ouais, ça c'est pour ouais. Tout le monde en bas! Descendez les enfants, j'ai une surprise pour vous! C'est quoi ça, papa? Attends, attends, attends. En l'an 2005, chaque foyer aura un LDR 114. Andro, c'est vraiment délicieux. Merci, monsieur. C'est la germe. Germe? Il n'y a pas de blé dans le poulet. Ils étaient conçus pour servir les humains. L'on est heureux de pouvoir servir. Allez, vas-y, saute. Non, saute par la fenêtre. Mais Andrew avait quelque chose de différent. Pourquoi les hommes aiment-ils les femmes qui portent des vêtements de cuir? Parce que c'est la même odeur qu'une voiture neuve. Bonne nuit, petit. Bonne nuit, Andrew. C'est de l'électroménager. Et vous le traitez comme un homme. J'ai le sentiment d'avoir la responsabilité de vous aider à devenir ce que vous pouvez devenir. Soyez témoin du voyage extraordinaire d'un robot qui veut devenir un homme ordinaire. Le secret de tout ça réside en fait dans l'imperfection. Voilà ce qui vous rend unique. Comme la forme de votre tête. Elle est énorme. Par le réalisateur de Madame Doubtfire, voici une aventure épique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu mon moi intérieur. Qui tente de combler le fossé entre l'homme et la machine. L'homme bicentenaire. Regarde ce que je suis en train de faire. J'essaie de devenir quelqu'un, moi. J'essaie d'accomplir ma destinée. Est-ce qu'elle le remarque? Je veux pas que tu te formalises, mais je dois travailler. Ils arrivent. Tout à coup, nos craintes se confirment. Notre avenir devient incertain. Et notre univers ne sait plus sur quel pied danser.